هذا كذب وحانوية ريا مصلحة مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قلي إيوشي وانك أوهري أما نفتي ساسيي هرومركا دلك مدحويني كسور دقو مدحويني هذه هذا بعض الصنطاي وسكتاني ما واخذ بطي مدحوينها جمهورية هذا الدكتور أدباد ما هدسنتهن وملي يملي أنا هنا ددوينها عاو هل كان يسوي مدي إن قلبك كالسلامة أول كبا واجب بي يقطعه أن أم هدنقو شعورتها موقتا إن أقاطو إني تهي بيرجلين إني تهي ولالنمو إني تهي هري أسعو معنه سيداس أيان أفهمي واحد جعله إنتانا أنا كسو نغنين أف صوماليغا أفكا أن كشاقينو وحسكو ويدارسنو aan wax ku dhigano inaan xogaa aan wax kaayda bismillaahi rrahmaani rrahiim as-salaatu was-salaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam cher ami cher militant en ce moment même où je m'adresse à vous je suis étreint d'un faisceau d'émotions je sais J'en suis sûr, ces émotions, vous les partagez avec moi. Car c'est vous qui avez voulu rendre possible. Car c'est vous qui avez créé les conditions de ce formidable rassemblement. Car c'est vous qui avez œuvré pour rendre ce moment un moment chargé d'histoire. Il s'agit de le dire en public, en politique, Comme dans la vie, il faut être sincère, il faut être honnête, il faut être intègre. Oui, j'étais sincère, honnête et intègre lorsque je pensais me retirer. Oui, comme tout le monde, j'ai pensé que pour moi aussi devait sonner l'heure de la retraite et du repos après toutes ces années. Consacré au développement de mon pays. Mes chers amis, si j'ai changé d'avis, ne croyez pas que je suis pour autant moins sincère et moins vrai. Ne croyez pas que j'accepte d'être ce soir investi par vous comme votre candidat en allant à l'encontre de moi-même et ce que je pense. Si j'ai changé d'avis, chers amis, c'est tout simplement parce que vous m'avez fait changer d'avis. C'est important pour moi de signaler cette vérité dans un moment si crucial où vous m'accordez à nouveau votre confiance. C'est important pour moi de vous confier cette sincérité, car je la dois à vous tous, autant qu'à moi-même, car c'est ça la noblesse de la politique. C'est assumer la vérité et refuser l'imposture. Mes chers amis, chers militants, oui, j'ai changé d'avis, car vous m'avez fait comprendre que ce qui était en jeu, ce n'était pas ma personne. Vous m'avez fait comprendre que ce qui était en question, ce n'était
ce qui était en question, ce n'était pas ma sincérité. Vous m'avez fait comprendre que l'enjeu, c'était notre pays, notre avenir. Et que cela dépassait largement le cadre de ma personne. Je le sais, la politique et l'exercice du pouvoir et le développement du pays imposent un don de soi permanent. Par vos mobilisations répétées, surtout celle du 1er novembre, vous m'avez donné cette force de vouloir repousser le champ des possibles pour notre pays, notre peuple, et les porter vers de nouvelles victoires. Mes chers amis, vous le savez, je suis un patriote dans l'âme. Je ne me dérobe jamais, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, devant l'appel de la patrie. Et l'honneur et le privilège que vous m'accordez ce soir de pouvoir peut-être à nouveau servir ma patrie, notre patrie, cet honneur et ce privilège redouble ma détermination et ma volonté d'être à la hauteur de ce formidable défi. Mes chers amis, quand on se porte candidat, notamment pour briguer une élection présidentielle, il est deux choses importantes à se demander. Est-ce que cette candidature a du caractère? Mais surtout, est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle fait sens? La mienne, je l'ai voulu enraciner dans l'histoire de notre République. Comme vous le savez, j'ai été candidat par le passé. J'ai été le candidat de l'alliance FRUD-RPP. La victoire que nous avons remportée nous a permis d'asseoir la paix et la stabilité dans notre pays. Je remercie notre partenaire historique, le FRUD, le courage politique de ce grand parti. Le courage politique de ce grand parti, de ses dirigeants et de ses militants mérite d'être salué. J'ai été aussi le candidat de la coalition UMP avec plusieurs partis amis qui sont venus agrandir et renforcer l'alliance. La victoire que nous avons remportée nous a permis de nous concentrer sur le développement de notre pays. Là aussi, je dois beaucoup au courage politique du PSD, du PND, de l'UPR, de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont compris qu'il fallait se mobiliser pour l'essentiel, qu'il fallait se rassembler sur le seul objectif qui vaille aux yeux de nos concitoyens, le développement de notre pays. Aujourd'hui, ma candidature, bien que portée par l'indispensable soutien des partis, cette candidature a eu le temps de s'élever au-dessus des partis. Cette candidature a eu le temps de s'élargir et de s'étendre au-delà des partis. Cette candidature, elle a eu le temps de mûrir dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos régions. Oui, je le dis en toute sincérité, pour moi, la manifestation citoyenne de la société civile du 1er novembre est le creuset de cette candidature. J'ai entendu l'appel citoyen du 1er novembre qui portait un message d'unité, un message de rassemblement, un message de mobilisation générale autour des valeurs essentielles de notre patrie, de notre République. Ce beau message du 1er novembre, je prends l'engagement devant vous de le concrétiser et de le traduire en actes. Car c'est un message salvateur. Ce message nous demande de ne pas céder aux tentations qui voudraient opposer des Djiboutiens à des Djiboutiens. Ce message nous demande
de ne pas nous diviser sur des clivages complètement stériles. Dans ce message, vous me demandez de continuer le seul combat qui vaille, celui pour lequel vous me légitimez à nouveau ce soir. Le combat du développement économique et social de notre nation. Ce combat, je continuerai à le mener avec vous tous, car notre nation a besoin de toutes vos énergies, de toutes vos compétences, de tous vos talents. Aussi, chers amis, chers militants, ce soir, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une autre candidature qui s'ouvre. Je veux être le candidat de tous ceux qui croient en leur pays, en son potentiel. Je veux être le candidat de tous ceux qui sont convaincus que par leur travail, leurs efforts, ils font la différence pour leur pays, leur famille. Je veux être le candidat de tous ceux qui agissent, de tous ceux qui veulent d'une politique efficace qui trace. Avec eux et pour eux, la règle commune de leur action. Je veux être le candidat de tous ceux qui souhaitent d'une république qui concilie la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. Je veux être le candidat de chaque Djiboutien qui espère. Je veux être le candidat du terroir, de tous nos territoires. Je vais être le candidat du Djibouti qui gagne, du Djibouti d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Chers amis, chers concitoyens, depuis que j'ai pris les rênes pour diriger notre belle nation, beaucoup de réalisations ont vu le jour. Beaucoup de progrès ont été enregistrés. Naturellement, on fera le bilan le moment venu, en toute impartialité et en toute objectivité, avec un esprit critique et un sens de responsabilité. Mais d'ores et déjà, vous savez que nous avons des acquis et que nous avons avancé sur le chemin, sur le long chemin du développement. Les sillons que nous avons tracés dans nos économies portent déjà les germes des lendemains fructueux. Ces acquis et ces avancées, nous les avons conquis avec vos sacrifices et avec vos efforts. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de revenir en arrière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas non plus le droit de stagner et d'être dans l'immobilisme et l'attentisme. Oui, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer et de cheminer ensemble vers d'autres acquis et d'autres conquêtes. Évidemment, mes chers compagnons, il y aura toujours ceux qui parlent, mais il y aura également ceux qui agissent. Ceux qui parlent n'aiment pas la République, tandis que ceux qui agissent font la République. Ceux qui parlent affaiblissent la République. Ils rêvent de voir s'établir une République empêchée, une République entravée, une République divisée et insécurisée, son potentiel gaspillé, sa foi en elle vacillée. Ceux qui agissent font avancer la République. Ils la font vivre. Ils la font grandir. Parce que ceux qui agissent, ce sont des hommes et des femmes capables de soulever ces grandes dynamiques sociales qui pousseraient le pays toujours plus haut, toujours plus loin, sur le chemin du progrès. Mes chers amis, mes chers militants, notre mouvement incarne la République parce que nous avons proposé à notre peuple un projet de société qui aurait le courage d'affronter les mutations socio-économiques inévitables, sans renoncer à son idéal d'unité
d'égalité, de solidarité et de paix. Parce que nous avons choisi de poursuivre un idéal républicain, libéré de toute démagogie, de tout dogmatisme et de tout fanatisme. Parce que nous agissons pour un idéal de nation qui resterait ce projet inachevé. Parce que nous agissons pour un idéal de nation qui resterait ce projet inachevé que nous nous évertuons à bâtir jour après jour, génération après génération. À ceux qui ne font que parler, nous disons donc ceci. Ce n'est pas en dressant les Djiboutiens les uns contre les autres que l'on pense faire avancer les pays. Ce n'est pas en trahissant la République qu'on relève la nation. Au contraire, au poison dangereux et pervers de la division et de la discorde, la République fera corps avec elle-même face aux discours mortifères, charriant amertume et haine. La République fera corps avec ses enfants qui l'aiment et qui la chérissent. Elle fera corps avec ses esprits vertueux, ses âmes de bonne volonté, ses talents, ses travailleurs acharnés. Elle fera corps enfin grâce à la mémoire de ses anciens et l'espérance et la sève de sa jeunesse. Et la campagne présidentielle qui arrive sera une nouvelle fois une occasion, un moment unique et précieux pour nous redonner de l'énergie, pour nous permettre de nous mobiliser, de nous unir sur les bases qui nous font tenir et avancer ensemble pour défaire la démagogie. Vive la victoire pour Djibouti, pour demain. Vive la République, vive la Djibouti, libre et indivisible. Je vous remercie. Bien. وأنا شقت عينا يو رنتان شيء عنا، دت كنا وحن تسينا وحن آنو هينا، وحن تسينا مش أنقودنا، وحن تسينا إن جيبوتي ما أنت تهاي دل يقانو، لا تحجليو، لا حرميو، لا رتشادو، إن تهاي بان تسينا، وحن تسينا إن أنا وقتي وهينين. داد کدوم یه اینه فدناییان اومد. وحنا اون شعری نه. خلا قرار هات بر نه. شعبی قرار هات بر نه. ولال یان سکو ود نه. یه بیگی نه. مرکا اینه کو عمل فلان. وحیالا جرک یه گویش کدیده. نفتي الديرس وحويا في تند قبليد ايو حمان دات كلا دحوض دات قرد قارة اسكالي دان تودا اصعدا هدي اي ميد جبوتيانا اي كدل صعنيانا وحبكا جيرن عقلي قوغنا وحو اشيغي اي ما هرنتي محيلي عقلي لباد باكو دحجرة او ميل كالي لغسو لوضو وح كالي لوض ديريو لكن هدي داد كينو كفو جيناد هدي اي كل تمعادن لهلان
wadankeena meel xun bay gaynayaan dadka oday islaam gabad wiil waxa kontraaga inoo dhaxeeyay uu yahay qabyaaladda aan iska xaarantinimayno midnimada qaranka ha noqoto meeshaan u hiranayna iyo waxa yacni khasnadeenna ugu weyn een inaan ilaashanna ay tahay ninkani naagtani odaygani reer Jabuuti weeyaan halkaa inaan dhaafo waa haddii aan doonayna inuu dalkeennu hore u maro danta gaarkii waxay ku jirtaa danta guud baa la yidhahdaa horey baa loo yidhi anugu mali danta gaar waxay ku jirtaa ta weyn qaran iyo qabiil way isqaadi kari waayeen hore baa loo yidhi isma qaadi karaan waxaan jeclahay inaan aad u bogaadiyo dad baryahani hawl weyn nala galay ummad la kala firdhiyey isku soo dhaweeyey imkana gacanta ku haya in aan u sheego inaan anigu iyaga garab taagana wixii la daweyn karo oo dhan in la daweeyo ummadda midnimadeeda iyo horumarkeeda loo tilmaamo iska celiya la yidhaahdo wixii doonaya inay idin fidneeyaan waxa inii soo sidaani ma jiro oonan shar iyo dhib iyo dagaal aanan ahayn ay soo wadaani ma jiro walaalahay dad kalina wax kale ayuu doonayaa ayna garanaynin dadkeen oo ah meeshan yar intan la-eg waxa ay qiimo ku yeelatay ee cid waliba doonaysa inay timaada maxuu yahay waa nabadda waa dadka ku nool oo isjecel waa deganaansha maba intaaba ha dahab ma haystaan betrool ma haystaan warshado ma haystaan waxba ma haystaan intaas ayay ku nool yihiin dee ka dumiya taas weeyaan waxa loo socday wax kale maa wax kale oon samayna garan mayn annagu ciid wood adduunka o dhan nabad baan lenahay dembi kale oon galnay ma naqaano haddii dee ay soo adeegsadaan dadkeenna ka mid ah hadday soo adeegsadaan inaan iska ilaalino wey inaan iska ilaalino intaa yaree jowharadaaba la doonaya in lala dumiyo ee dadka kalsoonida aan ku abuurnay intaa oo sannadood inay kalsoonidii ka jebiyaan unbay doonayaan waxay iyagu ka faa'iidaysanayaan in haba yaraatee ma jiro maxaa yeele dalka ay wax ku leeyihiin iyagu laakiin ma garanayaanta oo maskaxdoodii waxaa la geliyey wax kale kharibaadda iyo baaba waddanka iyaad inagu zaciima ku noqonaysiin baa malaha lagu yidhi ma garanayaan waxba karis xun iyana wax kula baa la yidhi waani raajiyey caawa ciid anugu waan faraxsanahay waan iska joogi lahaa caawa dhan laakiin hawlaan leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dalkeennu ha noolaado ha jiro oo ha jeerimaado wassalaamu calaykum waraxmat ullaah Thank you.
Portugal.